التحق المهاجم داغولو سهرة الجمعة بتشكيلة فريقه الجديد. لاعب الحمراء السابق لقي حفاوة كبيرة في الاستقبال من طرف أنصار الوفاق، وإدارة حسان حمار قررت معاقبة اللاعب ماليا ب 350 مليون سنتيم، وأيضا رياضيا بحرمانه من الإجازة الإفريقية ليتم منحها للوجه العائد إلى صفوف الوفاق عبد الملك زيايا. داغولو التقيناه على هامش المباراة الودية وأوضح عن سبب غيابه الطويل بالقول. Oui, il est vrai que j'ai fait un petit retard. C'est parce que ça fait déjà trois ans que je ne suis pas allé dans mon bled. Parce qu'il y a la guerre là-bas, vous connaissez bien l'histoire. Il y a la guerre dans mon pays, j'ai perdu beaucoup de ma famille. Quand je suis arrivé, il y a mes deux frères qui sont coupés les jambes. C'était un peu difficile pour moi, quoi. Quand j'ai vu ma famille, ils sont dans les débrouilles. Je suis complètement perdu, quoi. C'est pour cela que j'ai fait un petit retard, parce qu'il n'y avait personne, il n'y a que moi dans la famille. C'est moi qui aide ma famille, et c'est un peu difficile pour moi, quoi. وفي سؤال للاعب حول تضييعه الورقة الإفريقية بسبب طول غيابه أوضح قائلا. Champions League, c'est un coup dur pour toi, comment? Oui, il est vrai que c'est un peu difficile pour moi, mais je pense que le retour du match, je serai qualifié, parce qu'aujourd'hui, le président il m'a parlé. Il m'a dit le match aller, c'est un peu difficile, mais le match retour, apparemment, je vais jouer. وفي ختام حديثنا معه عبر داغولو عن تفاؤله الكبير لحمل ألوان الوفاق وقال. C'était depuis, ça fait deux ans que les Cityfiens m'attendent depuis. Donc j'espère que cette année, Inch'Allah, on va faire une bonne saison, pourquoi pas. Donc voilà, Cityf c'est un grand club, que tous les Algériens, ils savent que Cityf c'est un bon club. Donc j'espère que cette saison, on va apporter beaucoup de soutien. Donc Inch'Allah, merci beaucoup.